Salut à tous, c'est Blood of Devil. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo des réponses, des FAQ. Et oui, voilà enfin. Alors j'avais sorti, je regarde juste un instant, j'avais sorti la vidéo le 1er novembre. Et là nous sommes le, attention je vais vous dire ça direct, nous sommes le 22, ça va faire 21 jours que j'ai posté la vidéo des FAQ. Et aujourd'hui je vais y répondre immédiatement. Alors déjà la première question, ça va être de Fad Pro Gold défaut. Alors, est-ce que tu pourras recommencer le MW3? Alors oui, au début j'avais fait beaucoup de MW3, Black Ops, tout ça, mais Call of Duty pour le moment c'est vraiment fini pour moi. Peut-être un jour hein, je réinstallerai MW3, mais pour le moment je vais pas recommencer du MW3. Mais peut-être le World War 2 du nouveau Call of Duty qui est vraiment pas mal. Ça commence à m'attirer beaucoup, mode zombie, et la campagne a l'air très intéressante. J'ai vu des épisodes d'un let's play de Raph Gaming. Et bah il fait un très beau let's play déjà, et la campagne me grave envie d'acheter le jeu en fait, c'est ça le truc. Ensuite, deuxième question de Tanguy. Peux-tu nous parler un peu de toi? Alors je m'appelle Rémi, ça vous le savez déjà tous je pense. J'ai eu 21 ans le 18 novembre, voilà. Je travaille en ce moment. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je vis encore chez mes parents parce que j'ai pas un contrat pour pouvoir partir. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? J'ai le permis, voilà. J'habite en Ile-de-France, en Seine-et-Marne, je dirais plus, voilà. Après, je peux pas dire de choses en plus. C'est déjà bien, voilà. Troisième question de Monsieur Akari28. Que penses-tu de la décadence du YouTube Gaming? Alors moi, là, franchement, Akari, ce que j'en pense, c'est que ça diminue en fait. Il y a toujours des vidéos de gaming, mais pour nous, petits youtubeurs, c'est déjà chaud à faire des vues. Même les gros youtubeurs se plaignent des vidéos de gaming qui ne font plus beaucoup de vues. Vous regardez Monsieur Levé 12, vous allez voir sa chaîne, maintenant c'est Monsieur Levé 12 Live, un truc comme ça. Du coup, il fait beaucoup de vidéos, vlogs, IRL, stand de tir et tout. Il fait beaucoup moins de jeux vidéo parce qu'il a vu que ça marchait pas. Et comme beaucoup de youtubeurs, comme WarTech, maintenant c'est Anil, il fait plein des vlogs magnifiques et tout. Il y a beaucoup plus de vidéos comme ça, ou des pranks, ou des vidéos caméra cachée, des vidéos IRL et tout, comme un peu tout le monde, voilà. Mais oui, le gaming commence à dégraisser, je trouve, ça diminue de plus en plus, je sais pas, c'est de moins en moins, ou je sais pas, ça passe pas sur YouTube, en fait, ils sont pas assez en avant, je sais pas. Ensuite, une autre question, tu es toujours sur Xenon Roleplay de Mathis le pompier? Oui, j'y suis toujours, mais j'y joue de moins en moins, ça fait longtemps que j'ai pas joué sur le serveur. Parce que j'ai beaucoup de soucis de time out, du coup ça me fait chier, j'ai nettoyé les cages, j'ai réinstallé 5M, j'ai tout fait, mais toujours des time out, du coup ça m'énerve. Et voilà, après j'étais à RP, là en ce moment j'ai plus trop envie d'y jouer. Je suis sur Garry's Mod. Ensuite, nouvelle question, ah non, même pas une nouvelle question, c'est hey, ça fait longtemps Loïc Mills. Et oui, ça fait longtemps, c'était sur MTK, faudrait essayer de rejouer à Gmod un jour, avec Nico et tout. Ah bah tiens, question de Nico, pourrait-on voir un retour de Rémi Blood sur Gmod avec Nico Mills? Et bah moi je dis oui, avec plaisir, franchement. Pourrais-tu faire des vidéos avec les abonnés Suki? Et bien Suki, je sais pas si c'est dit comme ça, on a fait une vidéo ensemble déjà. Alors voilà, oui, je vais faire des vidéos avec des abonnés. Nous on l'a fait sur GTA Online, voilà, qui est sorti. La vidéo est déjà sortie, de toute façon, voilà. C'est bon de lire sur GTA Online et je vais essayer d'en faire plus, que ce soit avec toi ou d'autres YouTube, avec d'autres YouTubeurs. Oui, d'autres YouTubeurs même, et d'autres abonnés, voilà. Mais oui, je vais essayer d'en faire. À quand les streams White Eagle FR? Et bah quand j'aurai une meilleure connexion, je ferai que des streams de toute manière. C'est ça en fait mon objectif, c'est là je fais des vidéos, et après quand j'aurai une meilleure connexion, ça sera des streams, et ça sera beaucoup de rediff sur ma chaîne YouTube, enfin on verra, des best-of, je sais pas quoi. Question de Nexus Power, pourrais-tu faire tous tes gameplays en face cam? J'y ai pensé, mais ça fait beaucoup de travail, et je vais faire juste de temps en temps quand j'aurai l'envie de faire des face cam, voilà. Comme un des derniers épisodes de GTA 5RP, j'ai fait un face cam, c'était sympa. Encore une question de Nexus Power. Comptes-tu faire des streams? Alors là, c'est comme la question d'avant, oui, je compte en faire, mais quand j'aurai une meilleure connexion. Parce que ma connexion actuelle n'est pas faite pour le stream, voilà. À quand la rencontre de John Tubion? Ça, c'est sur GTA 5RP, je t'ai toujours pas rencontré, mais j'ai quitté un peu GTA 5RP, mais je vais revenir un jour, voilà. Pour l'instant, là, j'ai fait une petite pause de GTA 5RP, parce que j'ai pas le temps, en fait, avec le travail, tout ça, la vie personnelle, tout ça, voilà. Et voilà, c'est déjà la dernière question, voilà. La vidéo des FAQ, celle-ci, posez vos questions, va disparaître, mais voilà. Cette question-là, cette vidéo de réponse
va être en ligne. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas le petit j'aime, le petit commentaire, le petit partage et dites-moi ce que vous avez pensé. Si vous avez d'autres questions, mettez-les en commentaire. J'y répondrai peut-être dans une prochaine vidéo. Pourquoi pas faire beaucoup de réponses, questions comme ça en vidéo. Ça peut être sympa. Voilà, allez. Et moi, je vous dis bye bye.